Dans le prolongement du métallophone, nous avons aussi le tubalophone. Le tubalophone, il se présente différemment. Les lamelles en métal sont insérées dans un cadre en bois. Celui-là, il va être encore plus aérien, encore plus féerique. Le son est plus fluet, plus doux. Et on le joue avec une baguette comme ça qui a un peu plus d'attaque. Et donc là, on peut l'entendre, le son est vraiment s'envole. Il y a vraiment un aspect magique, ça fait un peu Noël, ça tintinabule, ça. Alors l'autre particularité de cet instrument, c'est qu'on peut aussi vraiment le déplacer avec ses mains et en jouer comme ça. Et donc là, c'est un instrument qui prend une dimension, trois dimensions, c'est-à-dire qu'il tourne. Et on sent vraiment, on a la stéréo et la profondeur entre les deux oreilles.